Retrouvez le meilleur Père Noël de Noël avec la maison Mazosado. Pour les fêtes, avec Mazosado, offrez des marrons. Salut à tous, c'est Nico Saliagas. France Bleu m'a lancé un défi et il est de taille. En effet, Noël est passé, mais je vais devoir découvrir pour tous les kids qui auront été très sages l'année prochaine, le meilleur Père Noël de Noël. Le casting sera redoutable, sans concession, et à la fin, il ne doit en rester qu'un. Attention, les auditions sont ouvertes. C'est parti, et c'est moi qui choisis. Faites entrer le candidat. Bienvenue. Présentez-vous. Salut les mouflets, c'est le père Jean-Marie. Oh là 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 là, je sens déjà une certaine appréhension, hein. Bah t'as tort mon Nikos, hein, parce que moi je suis un père Noël traditionnel, tu vois, avec une belle bûche et des petits nains dessus. C'est quand même eux les plus heureux, hein, si tu réfléchis bien. Bah oui, on n'arrête pas de les sucer parce qu'ils sont pleins de crème. Je vais te dire, ils sont tellement contents qu'ils chantent en chœur, les nains. Oh ben oui, alors, hein, tu les entends pas? Une petite pipe à Noël, c'est un vrai cadeau du ciel. J'en ai le paf comme un pilier. Je vais jouir sur mes petits souliers. Putain, ça, on peut pas dire que c'est pas de la vraie poésie de Noël, hein, bordel de merde. Et puis je vais t'offrir des lettres. Mais attention, hein, c'est important les lettres. Tu prends le mot coquille, par exemple, et tu enlèves le cul. Eh ben, ça fait couille, hein. C'est plus du tout pareil. On n'a jamais fait de couille à la coque pour le repas de Noël, tu vois. Et tu me suis? Tiens, par exemple, tu prends un pull ras du cou et tu enlèves le haut. Ça fait... Ah oui, ça fait ras du cul. En une seconde, t'es descendu d'un étage, hein. Ah, t'as pas besoin de mettre les skis, hein. Et puis tu peux aussi changer une lettre. Par exemple, tu prends le mot anis et tu remplaces le i par un u. Eh ben, je peux te dire que la sucette n'a plus du tout le même goût. Merci, Jean-Marie. Je ne suis pas sûr que... Mais si, mon chéri, il a raison. Tu changes, par exemple, le S par un X. Et ça fait clitorix. Oh, sachez que la veuve Clito est prête à faire le casting du prochain Astérix. Oh, allez, hop, vive la Gaule. Bonne idée, tiens. Allez vite vous présenter au casting d'Astérix. Et puis j'espère qu'Obélix va vous bouffer. À la lourde, les débiles. Quel Noël de merde. À ce jour, je n'ai toujours pas trouvé le meilleur Père Noël de Noël idéal, mais je ne désespère pas, car il y a encore beaucoup de candidats auditionnés. La liste est longue, tout est possible, alors bonne chance et que le meilleur gagne.